still checking if the place still cold. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas that shiver. Hey yop yop les petits potos, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Temtem les amis, nouveau tuto pour capturer et trouver le Temtem qui a été implémenté il y a pas très longtemps, qui se prénomme Kinu, K-I-N-U, donc je vais vous montrer où le trouver, tout simplement, vous allez voir c'est très simple, vous allez devoir vous rendre en Omninésie supérieure, donc c'est cette grande map là qui est divisée en deux petits villages, un à gauche et un à droite. Vous allez donc devoir aller tout à gauche ici au promcable, donc c'est un genre d'ascenseur. Par contre, pour aller là-bas, il va vous falloir une clé, la clé de la promcable, ça s'appelle. Et pour ça, vous allez devoir faire le dojo ici. Il me semble que c'est quand tu fais ce dojo que tu as la clé. De toute façon, quand vous allez faire vos quêtes, vous pouvez pas rater cette quête, c'est obligé que vous la fassiez. On s'en bat les couilles. Donc, une fois que vous avez la clé de la promcable, les amis, vous allez là-bas. Vous allez voir que vous aurez accès à deux étages. L'étage où il y a le grand arbre sacré qui s'appelle le Banya. Et un autre étage où il y a le volcan. Donc, il va falloir vous rendre au premier, là où se trouve l'arbre Banya. Hop, vous passez là. Là, c'est où il y a les marchands. Vous continuez à gauche. Vous passez vers le dojo et petit chemin là, bam, petit ascenseur, la promcable. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, vous avez Omninésie citérieure et Omninésie ultérieure. Donc le premier où il y a la promciel, ou le promciel et le grand Banya, donc l'arbre sacré. Et le deuxième où se trouve le volcan et promvert. Donc vous prenez le premier, citérieure, donc citérieure Omninésia. Ça c'est pas traduit, je sais pas pourquoi. Hop. Donc voici la map de l'Omninésie citérieure. Pardon, j'ai fait dire une connerie. Bref, c'est ici où se trouve l'arbre, le grand Banya. Donc vous allez tout simplement faire ce chemin. Tac 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 et tac pour venir à l'arbre, tout simplement. Hop, vous descendez, vous arrivez à l'arbre, le grand Banya, vous entrez à l'intérieur et vous cherchez, cherchez et cherchez encore. J'espère les amis que vous aurez la chance de trouver Kinu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez trouvé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce tuto vous a été utile. J'espère en tout cas qu'il vous aidera et qu'il vous portera surtout la chance de le dropper les amis. 5% de rareté. Voilà, j'ai tout dit. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, les amis. N'hésitez pas, pardon, à mettre un petit pouce bleu en l'air. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous laisse ici. Je vous dis à une prochaine vidéo ou à un prochain live. Et n'hésitez pas, les amis, à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo spéciale pour capturer tel Temtem ou tel Temtem ou faire telle chose ou telle chose. Dites-moi vos idées si vous en avez pour de prochaines vidéos. Je vous laisse ici, je vous fais des bisous et à la prochaine les potos, c'était Smoke and Play. Ciao.